Précédemment dans la survie FNAF. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Cette fois, c'est une nouvelle vidéo FNAF, les amis. Oh là là, regardez-les, ils sont juste là, regardez. Et les amis, j'entends déjà des animatronics. Je sais pas si vous les entendez ou pas, j'entends des rires d'enfants, c'est plutôt bizarre. Oh là là, les amis, regardez, j'en vois deux là-bas. L'amis, c'est bon, regardez-le, comme il est bon, regardez-le. Notre ami Pingoui. On va voir s'il a envie de nous suivre ou pas, Pingoui. Est-ce que tu nous suis? Oui, il nous suit, les amis, oui. Donc, regardez, on a Enweezer Red Freddy qui est juste là. On a Premungle, là-bas, on a Bonnie. Là-bas, on a Freddy. On va aller poser directement, les amis, voilà. What the fuck? Mais... Je suis où? Non... Toi. Regardez, mais il est vraiment gentil, il ne fait rien du tout. Golden a l'air vraiment, vraiment gentil, il ne fait rien du tout. Pas cette zone. Ça y était pas auparavant d'usine à animatronics. Les amis, regardez, il y a des portails là-bas. Purple fait spawner des animatronics et c'est comme ça qu'il me les a envoyés dans mon monde. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc? Ah! Où suis-je? Les amis, il me reste plus qu'un cœur! Non! Non! Oh non! Un demi-cœur! I can do something special. Then five, you know, then four. I can make ice cream. Although I only have one. I guess you forgot about me. I was in a small room with balloons and a few tables. No one sat at the tables, though. But children would run in. Did you know that I was on stage once? It wasn't for very long. Only one day. The stomach opened, and there was ice cream. I couldn't move, at least. Until she stepped closer. I guess you thought there was screaming for a moment. Oh, ma tête. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Où est-ce qu'on... Mais Red... Ah, je suis content de te voir, mais... Où est-ce qu'on est? Où est-ce que... Est-ce que tu sais où on est? J'ai la tête tout embrouillée. Je sais plus trop où... Ce qui s'est passé la dernière fois, je me rappelle juste que... On s'est battu... Avec Purple. Je crois qu'on a perdu, mais après je sais plus.
Je sais plus ce qui se passe, je sais vraiment pas ce qu'on fait ici. Et est-ce que tu sais Weeping Wee Golden? Non, tu sais pas non plus. Red, je sais pas où on est, mais... Ça me fait pas trop plaisir d'être dans un nouvel environnement comme ça, surtout un environnement qu'on connaît pas. Écoute, Red, tu sais ce qu'on va faire? Enfin, on va se faire de l'équipement parce que il va faire nuit, on a pas de nourriture et je sais, on est au milieu de nulle part en fait. Où est-ce qu'on est? Écoute, Red, viens avec moi. Tant qu'à faire, on va commencer par les choses basiques. Hein. On a besoin de bois, on a besoin de se faire de l'équipement. De toute façon, je t'avoue que c'est la première fois que je vois une forêt pareille. Et je t'avoue que j'en ai aucune idée. Et les vagues souvenirs que j'ai sont des souvenirs où j'entends Purple, Circus et Fun Time, mais je sais pas ce que je fais ici, j'en ai aucune idée, et pourquoi on est seul aussi, pourquoi on est seul dans ce cas-là, pourquoi ils sont pas avec nous, enfin, qu'est-ce qui se passe, je t'avoue que je sais pas trop quoi en penser. On va sur une épée pour récupérer un peu de nourriture à l'extérieur, dans cette forêt, je sais pas du tout ce que vit dans cette forêt, ça me fait un peu peur de partir dans cette nouvelle forêt, dans ce nouvel environnement, mais je m'inquiète énormément, je t'avoue que je sais pas où sont Golden et Pingui, ça me rassure pas du tout. Oh, il y a du charbon. Il y a du charbon. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour se faire une pioche, récupérer tout ça si on arrive à trouver de la viande. Ça nous permettra de la faire cuire, mais... J'avoue que... Ça me rassure absolument pas d'être ici. Je sais pas... Je sais pas ce qui se passe. Non. Vraiment, Le blackout complet. Enfin bref, écoute. On va aller vers cette forêt avec des arbres gigantesques. Regarde là-bas. Il y a des arbres qui sont immenses. Peut-être qu'on pourra y trouver quelque chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que t'es toujours là et qu'on est en vie. Ça, c'est vraiment quelque chose de dingue. Parce qu'après tout ce qui s'est passé... Je pensais pas qu'il allait se passer quelque chose. Oh! Attends. Qu'est-ce que... Red? On n'est pas tout seul dans cette forêt. Red, où est-ce que tu... Viens avec moi. C'était obligé. C'était sûr. C'était sûr que Purple allait pas nous laisser dans... Si sain et sauf... Il est en train de jouer avec nous comme il a fait depuis le début. Regarde ça. Il y a un animatronics là. Et écoute, on va faire le tour. On va essayer de passer par là-bas. Parce que... Oh! Il y a des animatronics de partout. Regarde ça. En plus, la nuit va se coucher. Et la nuit, ça va être pire que tout. Il faut... Écoute, faut qu'on se trouve un abri. Faut qu'on se trouve un endroit où dormir. On n'a pas de nourriture. Ce qui serait bien, c'est qu'on trouve quelque chose. J'entends des grenouilles, mais je les vois pas. Ce qui serait bien, c'est d'avoir, je sais pas, un cochon, des moutons, des sangliers. Ça pourrait énormément nous aider. Mais qu'est-ce qu'ils font là, ces animatronics? C'était sûr qu'on allait être dans un endroit avec des animatronics comme ça. Oh là là, regarde ça. Oh ouais, mais là, il y a tellement de sangliers. Mais comment veux-tu? Il y a un animatronique juste là. Écoute, Red, faut que je tente. Peut-être que les sangliers vont me voir et je vais les attirer, j'en sais rien. Oh oui, yes. Ok, super. Viens. Ah.
Ok. Il faudrait, pour qu'on soit bien, il faudrait qu'on tue celui-là. Petit. Allez, viens. Yes. En plus, ils font mal. Aïe. Ah. Première fois que je me bats contre des sangliers, je t'avoue. Écoute, hey Red, viens avec moi. On va essayer de trouver de la hauteur et s'installer quelque part parce que là, on peut pas rester ici. On peut pas rester à côté de ces animatronics. Je t'avoue que je m'attendais vraiment pas à les voir. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas où on est. Je sais pas pourquoi on est là. Pourquoi Purple nous a laissé dans cet endroit-là. Ça me rassure absolument pas, mais. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ici? Tu te rends compte que c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là avec tous ces animatronics? Est-ce que tu penses que il y a une raison, il y a quelque chose qui fait que on se trouve ici? Faut que je fasse attention aussi. Hein. Parce que je me balade comme ça, mais tant il y a des animatronics à côté de nous. Allez, viens avec moi. Faut qu'on reste soudés. Ça me rassure tellement pas. En tout cas, on n'a toujours pas vu Purple. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, j'imagine. Oh! Il y a Circus qui est juste là. Bon, écoute. On va se mettre à l'intérieur de. Je sais pas ce que c'est. Il y a une grotte qui est juste là. Écoute, regarde. Ça me rassure tellement pas. Regarde, viens ici. On va se mettre à l'intérieur de ce trou. Je sais qu'on n'y voit pas grand chose, mais c'est mieux que rien. On va en profiter pour se faire un peu de nourriture. Et le fait qu'on soit sous le sol, je pense que les animatronics vont pas nous avoir. Parce que je t'avoue que, souviens-toi, la première fois qu'on a affronté les animatronics, on était sous le sol. Et c'était plutôt une bonne chose. Au final, on avait réussi à s'en sortir. Maintenant, à voir si ça va se passer pareil. Je l'espère très fortement. Oh là là, j'ai pas de quoi. Je pensais que j'allais. Oh, on va se faire un peu de lumière, mais je t'avoue, Red, ça ne me rassure absolument pas. Il va peut-être falloir que je sorte pour me faire un peu de charbon. Mais là, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, je franchement, pour être sincère avec toi, Red, attends, déjà, c'est gentil de faire le guet, mais je sais pas ce qu'on fait là. Pourquoi Purple tellement... En fait, j'ai tellement de questions à me poser. Pourquoi Purple n'en a pas fini avec nous? Pourquoi on n'est pas mort, tout simplement? Et... pourquoi on est encore dans un nouvel endroit, un nouvel endroit qu'on ne connaît pas? Je t'avoue que là, faut que je fasse attention parce que... ok, c'est juste toi. Ok, parce qu'il faut que je fasse attention parce que là, on est la nuit et tu sais très bien que la nuit, on n'est pas les seuls à être dans cette forêt. Écoute, je vais en profiter, je vais juste prendre ce charbon et on va vite rentrer. Et... On va se faire discret, écoute, de toute façon on a l'habitude maintenant, j'ai envie de te dire, de gérer les animatronics, mais pendant un bon gros moment, va falloir qu'on fasse profil bas, parce que ça va être très très dur pour nous de s'en sortir, je pense. Allez, hop, viens avec moi. On voit rien du tout, je vais faire quand même un peu de lumière. Je sais que c'est pas la meilleure idée, mais écoute, c'est le meilleur moyen qu'on... sur une porte aussi. C'est le meilleur moyen pour nous quand même d'avoir un peu de chaleur. Mais qu'est-ce qui se passe là? Où est-ce qu'on est? Tiens, excuse-moi, arrête, j'ai oublié de te donner à manger, mais je comprends rien. Je sais pas pourquoi on est là. Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi on se retrouve dans une forêt comme ça? Animatronics de partout. Je... écoute, Red, j'ai quelque chose à dire. On va devoir être fort parce que là,
on va réaffronter tout, sûrement tous les animatronics qu'on avait déjà capturés. On va essayer de les recapturer, essayer de voir comment ça se passe, essayer surtout de retrouver Golden et Pingui parce que c'est super important. Et écoute, Red, il est temps de reprendre la survie. I guess you forgot about me. Alors, vous en avez pensé quoi de ce premier épisode de la saison 4 de la Survie FNAF, les amis? J'espère vraiment qu'il vous a plu. En tout cas, bah, les amis, merci beaucoup pour l'engouement déjà de cette série, parce que vous avez été très, très, très nombreux à m'avoir demandé de refaire la Survie FNAF. Et écoutez, je vous ai entendu et c'est pour ça que j'ai décidé de refaire la Survie FNAF. Je vous l'avais dit, 2021, on va se faire plaisir. Je pense que là, on va partir pour des séries très sympathiques et des vidéos d'une qualité optimal, ça va être fantastique. En tout cas les amis, bien sûr, si vous voulez plus de vidéos FNAF, si vous voulez la suite, n'hésitez pas déjà à me soutenir en mettant un pouce bleu sur la vidéo, ça me ferait énormément énormément plaisir, parce que c'est énormément de travail et j'espère que vraiment ça vous plaît. Il y a une nouvelle map, il y a un nouveau mode pack, il y a une nouvelle histoire, enfin vraiment des choses plus sympathiques. Je vais essayer de repartir sur des épisodes un peu comme la première et la deuxième saison de la survie FNAF. La troisième saison, c'était une petite erreur. Ok, vous le savez autant que moi. Mais vous inquiétez pas que la quatrième va être fantastique. J'ai vraiment de très très bonnes idées. En tout cas, les amis, n'hésitez pas aussi, si vous voulez m'envoyer des fanarts par rapport à la survie FNAF, comme les premières saisons de la survie FNAF, je les passerai durant les épisodes. Donc n'hésitez pas à me les envoyer à mon adresse mail contactguilianeytb@gmail.com. Dans tous les cas, elle se situe dans la description. Et écoutez les amis, je tenais à vous remercier pour encore une fois l'engouement de cette série, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et un nouvel épisode de la survie FNAF. C'était Guilian, allez, bye tout le monde.